Le sens de cette réunion, c'est une réunion de prévention. Parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est la gestion du contentieux en milieu professionnel. Vous vous en doutez bien, nous ne sommes pas en contentieux, nous ne sommes pas en conflit. Mais c'est justement pour prévenir la survenance de contentieux et de conflits, comme on l'a dit tantôt, qu'aujourd'hui, l'administration qui nous gouverne est là. Les travailleurs qui sont sous l'autorité des employeurs sont là. Le public est là pour ensemble justement échanger sur un thème qui est très simple. Hein, comment assurer la paix sociale au sein de l'entreprise. Alors, vous avez donné tout à l'heure sur quelques chiffres. Est-ce que vous pouvez nous donner sur quelques statistiques? Je ne peux pas vous donner les chiffres du point de vue statistique. Peut-être que le site que j'ai évoqué tantôt, celui donc de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale est plus indiqué, mais il ressort de l'analyse de ces statistiques que c'est vrai qu'on a constaté une progression des litiges au plan individuel, des contentieux au plan individuel, et nous avons dit que ce n'est pas une bonne chose que les conflits individuels atterrissent devant le tribunal. Il nous faudrait peut-être trouver une meilleure réponse à ces situations-là, à ces dérapages-là. Et de la même manière aussi, nous avons ensemble constaté qu'en matière collective, par contre, les conflits collectifs ont tendance à baisser. Mais ça, on vous l'a dit encore, c'est la dynamique qui gouverne la vie sociale. Ce n'est pas le calme plat partout, la paix partout, il y a certainement des foyers. Hein, mais dans l'ensemble, il faut admettre que la paix sociale règne globalement au Sénégal. Et il faut admettre également que cette augmentation a un impact dans la vie de l'entreprise. Oui, ça peut avoir nécessairement un impact. Hein. Mais l'entreprise est parée pour gérer nécessairement tous les aléas. Je l'ai dit tantôt, une entreprise a pour fonction de gérer des risques, a pour fonction de faire face à des risques. Et c'est un peu dans le sens donc de cette intervention, que nous avons considéré qu'il est important que la relation que nous avons avec le monde du travail soit une relation sereine, soit une relation apaisée, qu'on ait le moins possible à recourir à la justice, parce que vous l'avez entendu tantôt, plusieurs dispositifs, plusieurs mécanismes de dialogue social existent au Sénégal qui nous empêchent, in fine, d'avoir à recourir donc à des situations extrêmes comme celle de la justice.